Salut tout le monde, alors voici le 27e épisode de Gomme Dev Tycoon. J'espère qu'il vous plaira, et puis voilà, tout simplement, bon visionnage. Je vais rechercher quelques trucs, physique de base, go. Toi, je vais t'accorder un petit congé. Ensuite, toi, tu vas me rechercher le support dans le cloud. Toi, tu veux... Est-ce qu'il y a un truc à 80 piles? Non. Non, bah, je peux rechercher alors mini-jeu. Toi, tu vas rechercher succès. Sarah Long, tu vas rechercher les mods. Et toi, tu vas me rechercher un petit thème. École, par exemple. Allez, c'est parti. 18 millions, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, les gars. Dans ce que certains ont qualifié de surprenant, dénigrer la Xbox 360 connue de succès de Microsoft tout en faisant l'éloge sur la PlayStation 3. À l'approche de son lancement dans le courant du mois. Ok. Ok. J'en fous les couilles. Et vas-y, c'est bon, tranquille. C'est vrai que paraît que la PS3 était hyper chère à sa sortie. Enfin bon. C'est une nouvelle plateforme de jeu, parfait. C'est cool. Faire un rapport, Medieval Warfare. Passe quelques points, non? Non, bon bah. Tant pis, en attendant le temps qu'il finisse, je vais lui faire un petit travail sous contrat, voilà, genre ça. Juste histoire de vous occuper. Hop. Encore un autre. Tant qu'il finisse. Cool. Est-ce qu'il y a un autre thème à rechercher? Je vais voir ça. Voyage temporel, ça peut être cool. Sinon, bah, je vais faire un autre travail sous contrat en attendant. Je vais le booster parce que là, ça va être chaud sinon. Ok. Bon, Alex est de retour, ça devrait passer du coup. Ouais, ça passe largement. Alors, est-ce qu'il y a des petits travaux sous contrat intéressants? Ouais, ça, 100 000, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, parfait. Alors, sinon, j'ai besoin de faire un gros succès. Alors, donc toi tu vas rechercher nouveau thème science-fiction, toi tu vas me rechercher nouveau thème évolution. Ok, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Tant pis, et en attendant faites des petits travaux sous contrat, genre pas ça. Ça c'est un petit travail sous contrat. Parfait. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en attendant? Un moteur de jeu, ça me coûterait combien? Enfin, juste pour voir. Juste pour voir, ça me coûterait combien? Mini-jeu. Ok, ça va, ça coûte pas tant que ça. Alors, du coup, je vais en faire un. Il me semble que c'est Engineer V5. Il me semble que c'est ça. Donc là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, please. Allez, allez. Ok, il en reste encore un petit peu. Alors, dans 2 mois, la PlayStation 2 sera retirée du marché, y a pas de souci. Et voilà, votre nouveau moteur Engineer V5 est terminé. Donc ça c'est parfait. Ok, je vais accorder quelques congés. Hop, congé, congé et congé. Et après on va y aller. Je vais développer un nouveau jeu, grand jeu, choix du thème SF, Star Trek. Merde, pas comme ça. Star Trek. Pour public averti, choix du genre action, aventure, choix de plateforme 360, PlayStation 3, je dépense plein de sous, mais j'espère que ça va être un gros jeu. Et PC. Et choix du moteur Engineer V5. Donc c'était bien ça, c'était bien le V5. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce 27e épisode de Game Dev Tycoon. Donc sur le développement de Star Trek, qui, vous allez voir, va
va faire quelque chose d'assez surprenant, on va dire, tout simplement, et qui va être décisive pour la... décisive. Enfin bref, qui va influencer beaucoup beaucoup sur la suite du gameplay. Donc voilà, je vous mettrai le, tout simplement, je vous mettrai tout simplement tout le développement de Star Trek au prochain épisode. Donc voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode de Game of Tycoon ou un prochain live. Donc voilà, salut tout le monde.